Salut tout le monde, c'est Rylis et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de ce Hard Mode Challenge sur Metroid en mission. J'espère que vous allez bien et on commence direct avec un boss, donc Rayleigh, le deuxième boss. Oula, ça par contre ça va être dur. Gaspille missile. Et donc comme d'habitude, si je me plante, et ben je vous mettrai une petite musique avec un accéléré et on sort et je vous retrouverai après la défaite du boss. Ok, pour l'instant il n'y a rien. Y a quelque chose là-bas. Non. Sur mon costume, mais je ne sais pas ce que c'est. Pas besoin de me recharger. Pas mal. Bon bah, un pack de vie, ça fait plaisir. On va se recharger quand même dans le doute. Et c'est parti donc pour le boss. Massacrons-nous dans la taverne. Y en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger par-ci. En formation, tous les archers, vous visez un orque choix. Si vous arrivez à le toucher, faudra courir un peu mieux que ça. Et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Attrapez l'elfe qui est à votre droite et foutez-lui des coups de massue. J'avance d'un pas, je recule d'un 4 et je lui mets un coup de pied. Sortez vos dagues et plantez-les dans l'œil de votre voisin d'en face. Si vous lui touchez le cervelet, tournez deux fois, sautez sur place. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Alors, c'est fini? Non. Reste un elfe encore vivant, attrapez-le par les cheveux, coupez-lui les jambes, c'est marrant, ça court moins vite et c'est tant mieux. En sautant sur vos boucliers, vous surfez dans les flaques de sang, foncez sur tous les rescapés, ou c'est fini, on est content. Celui-là, mais bon, j'ai eu un peu de technique, je peux pas revenir là. Si, pas ça, le fait. Putain, il y avait le max de vie de missile à mettre. Bon, allez, on va continuer. Donc là, on peut enfin accéder au à la dernière zone du jeu, je crois. Sauf que je me suis raté. Oui. Raté. Bien arrivé.
Oui, vous entendez les touches de mon PC, c'est normal. Parce que le micro est à peu près du PC. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose là. Je suis sûr qu'il y a un truc. Ah, l'espèce de passage. Non, il n'y a rien. Là, il y avait un passage déjà. Ça, il sauvegarde. Et donc du coup là bah il faut que je remonte. Ouais faut que je remonte. Ah zut. Oh, pas grave. Mais je suis bête, il y avait un passage là. Non. Ah, il y avait un passage. Voilà. Je me disais aussi. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est le bug. Ah bah non. Ça a juste planté comme... Bon, je la freeze d'une manière que je ne connaissais pas. Ça, c'est moi qui l'ai rappé sur les touches. Et, je crois que j'ai bougé, je vais faire un truc vite fait là. Voilà, ça ira mieux. Largement mieux pour moi. Ouh, alors là, un minimum de maîtrise. Voilà. Bon, ben je vais sauvegarder parce que je suis à la limite de crever. Voilà. Et ensuite, et ben je pense qu'il ne nous reste plus qu'une seule zone à aller voir. Il y a celle-ci qui se détruit. Pourquoi pas? Oula. Tiens, je vais gagner un peu de vie, ça fera pas de mal. Et les missiles. Ok. Ça m'a amené, je le sens pas. Ok. Ah. Ok, donc ça, ça sert à strict à rien. Qui ne servent à rien pour l'instant.
On revient là, et donc là, je vais pas me faire avoir. Il y a quelque chose là, pourquoi ça doit être détruit? Parce que rien du tout. Ok, là, il y avait un... Alors, c'était donc à ça que servait le tunnel. Juste pour débloquer cette chose. Ouais. Donc là, je suis dans une zone jamais vue. Avec plein de trucs. Ah, je sais ce qu'il y a. Ça va être utile, très utile même. Du coup, j'aurai une réserve de missiles de gagner déjà. Il y a quelque chose là. Non. Tant mieux, tant mieux. Donc là, techniquement, ouais. Voilà. Une grosse amélioration, ça. Une des plus craquées d'ailleurs. Ok. Donc là, bah, je peux aller en bas techniquement. Ouais, non. Pas un truc qui se... D'accord. Autre chose. Ah. Plus de secrets. À faire la caisse par vitesse là, donc on va y aller, on y croit. Allez. On va faire avoir comme une fois. Il y a quelque chose à faire, je suis sûr. Voilà. Wow. Toi tu meurs, je profite de cette attaque en vrai. Oui, je brûlais alors. Enfin, je suis sous acide. Voilà, et il n'y a rien. Ah si. Allez, pique, brûle, fais ce que tu veux. C'est mal. Ça. Ok. Ok, encore plus. Et donc ça, c'est pas de la vraie lave. D'accord. Et pourquoi je suis là en fait là? Parce que. Oui. Ok. Je vois. Ah ouais. Oh c'est chaud ça. Oh ça va être technique. Oh ça va être très technique. Alors attention, je le place. Voilà. Raté. Bien joué. Je me prépare. Allez. Oh ça va être... Ah quoi? Ah oui, d'accord. Ok. Alloué. Puissance 3, je me suis trompé de touche en plus là. Oui, en trompant de touche. Je pense que je fais mieux. Ah, raté.
Là, je peux l'avoir. Non, je peux l'avoir. Ça y est, pas trop tôt. Putain, sur le point de mourir. Maintenant, faut que je remonte. Je remonte tout là, oui, très très haut. Eh ben, accélérer, c'est parti. C'est le laride et du poulet, dansez, si vous le pouvez. C'est le laride et du poulet, dansez, si vous le pouvez. Mais il vaudrait mieux s'en méfier, à mort il peut vous picorer. Mais il vaudrait mieux s'en méfier, à mort il peut vous picorer. Jamais assez ne vous méfiez de ce gentil gallinacé. Jamais assez ne vous méfiez de ce gentil gallinacé. Mais peu de gens pourront parler pour ceux qui lui ont résisté. Mais peu de gens pourront parler pour ceux qui lui ont résisté. C'est lui l'engeance des poulaillers, un monstre sournois et rusé. Votre pointu bec acéré, votre vie ne tient qu'à un dé. C'est lui l'engeance des poulaillers, un monstre sournois et rusé. Votre pointu bec acéré, votre vie ne tient qu'à un dé. C'est le laride et du poulet, dansez, si vous le pouvez. C'est le laride et du poulet, dansez, si vous le pouvez. Mais il vaudrait mieux s'en méfier, à mort il peut vous picorer. Essayez de pioncer, il vous réveille, je vous le fais. Et pas bref, et
à mort dans le fumier, car il est le mal incarné. Tout ça c'est la faute des poulets. Voilà, j'ai un peu papillonné quand même pendant le retour. D'accord. Normal. Je crois que j'ai eu des missiles. Putain. Non, j'aime pas ça. J'ai des missiles et des super missiles. Ça va déjà mieux. Voilà, je suis à Brinstar. Et il faut que j'aille tout là-bas, là où il y a les deux petites flammes qui bougent. Allez, je vais rajouter un peu de... la vidéo, je vais pas le faire en accéléré cette fois. C'est chaud en hard mode. Je pense que c'est le meilleur exemple que je puisse trouver. Je suis sûr que vous allez aussi pendant accélérer si vous avez fait attention à mes points de vie. Je suis pas mort une fois parce que j'ai un peu d'expérience. Mais si j'étais mort, je pense que je m'en serais pas sorti. Bon. Et donc voilà les deux statues qui s'ouvrent. Et nous on passe. On va accéder au dernier secteur que je vais y arriver. Voilà. Au dernier secteur donc. Et dans ce secteur. Des métroïdes. Taurienne. Ça alors. Mais ce sera pour la prochaine fois. Donc du coup, je vous laisse ici. J'espère quand même que ça vous a plu. Parce que je pense que ce sera un très petit épisode de... Mais allez, même pas 20 minutes. Mais bon, la suite sera un peu plus chaud. Un peu plus dur et un peu plus excitant. Sur ce, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un like. De laisser des commentaires aussi. Et de vous abonner pour la suite des aventures de Samus Aran. Salut tout le monde!